Bonjour à tous et bienvenue sur GeekGamingCH, c'est Boomer qui vous parle, j'espère que vous êtes tous au top de votre forme comme d'habitude. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un nouvel add-on gratuit pour MSFS qui concerne le trafic IA. Il y a quelques temps, je vous avais fait un tutoriel complet sur AIG, dont vous trouverez la vidéo en étiquettant à droite de l'écran maintenant si cela vous intéresse. Mais cette fois, je vais vous parler d'un tout nouvel add-on qui est relativement différent, qui s'appelle FS Live Traffic Liveries ou FSLTL. L'avantage de cet add-on est qu'il s'installe en deux clics de souris et pour ma part est moins gourmand en performance que son concurrent. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker et à commenter la vidéo si elle vous plaît, car ça aide la chaîne pour le référencement sur YouTube et n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord si vous avez envie de discuter si mieux avec la communauté. Merci d'avance. Je tiens aussi à remercier Maxime du Discord de la chaîne qui m'a fait découvrir cet add-on grâce à la vidéo de Bobby Fuzzy. Voilà, jetons maintenant un œil à ce petit programme qui peut faire de grandes choses. Pour commencer, vous devrez installer deux choses à partir de l'installeur FBW ou Fly-by-Wire. Probablement que la plupart d'entre vous connaissez déjà ce programme si vous utilisez le A32NX fait par Fly-by-Wire. Allez donc dans cet installeur et sur la gauche, cliquez sur l'icône qui ressemble à un écran radar. Dans cet onglet, vous trouverez deux sections, une qui s'appelle Base Models et l'autre Injector. Vous devrez installer les deux. Base Model installera tous les modèles 3D alors qu'un Injector sera le programme qui permettra d'injecter le trafic dans le simu. Comme vous pouvez le voir, le processus d'installation est déjà bien plus simple que leurs concurrents. Une fois que vous avez fait cela, vous êtes déjà plus ou moins prêt à démarrer. Il restera une dernière petite configuration à faire quand vous lancerez l'injecteur une fois dans le simu. Une chose qu'il est important de savoir, la grosse différence entre FSLTL et AIG est que FSLTL fonctionne sur la base d'un trafic live avec plus ou moins 30 secondes de décalage contrairement à AIG qui se base sur des plans de vol historiques. Une chose que vous pouvez aussi faire qui est optionnelle est de vous créer un compte sur Flightplan Database et d'insérer le code de l'API dans l'injecteur au moment de la configuration pour avoir accès à des plans de vol réalistes supplémentaires. Vous trouverez le lien pour Flightplan Database dans la description de la vidéo. Je vous montrerai comment insérer le code dans une minute quand nous lancerons le programme. Voilà les amis, on va maintenant regarder comment lancer l'injecteur et les différentes options disponibles. Voilà les amis, nous sommes dans le simu. Avant de démarrer, il y a juste une ou deux petites choses dont je veux parler encore au niveau des options. Alors normalement, vous n'avez pas forcément besoin de le désactiver, mais si vous allez ici dans Trafic, dans les options générales, je vous conseille de mettre tout ça sur off. Hein. Alors même si vous le laissez sur on, ça va fonctionner avec, mais pour vraiment avoir le truc le plus réaliste et voilà, avec FSLTL, je vous conseille de le désactiver. Désactivez aussi ici le trafic au sol, hein, enfin les avions au sol. Parce que ici, ça c'est le problème de MSFS, c'est qu'il choisit les avions totalement aléatoirement. Donc vous allez vous retrouver avec des 737 de Delta en Europe, vous allez vous retrouver avec la même chose des EasyJet aux États-Unis. Enfin, c'est pas le but. Donc désactivez ça, vous n'en aurez vraiment pas besoin. Donc ça, ici maintenant, si on va sur World Map, donc on va aller à Zurich. Il y a aussi ici, hein, vous pouvez checker Air Traffic, laisser sur off. Voilà, hein. Ça c'est important. Ensuite, on va mettre... non, ça, on verra après. Alors, on va aller à Zurich. On verra un peu ce que ça donne avec cette histoire. On lance. Donc voilà, nous sommes à Zurich. Vous voyez, le temps est dégueulasse. Hein, alors, je vais changer ça. Alors, attendez. Donc, on va se mettre ici en caméra extérieure. On va un peu aller se promener. Voilà, donc Zurich, hein, sous la pluie. Sympathique, très gris, très moche. On va aller changer ça ici. On va enlever la live weather. Alors bien que c'est mieux, voilà, ça m'a l'air bien. Bien que c'est mieux bien sûr, de laisser la météo live, hein, parce que comme les vols sont live, ils vont suivre la météo réelle. Donc je vous conseille de tout simplement laisser sur la météo live. Après, ben voilà, il y a le temps qu'il y a et l'heure aussi. Hein, c'est ce qui sera le plus réaliste. Voilà. Donc nous sommes à Zurich. On va se mettre un peu, on va se positionner un peu correctement ici. On va accélérer un peu cette caméra. Voilà. Donc on va se mettre un peu ici. On voit le maximum des terminaux ici. Et on démarre donc FSLTL Traffic Injector. Hein. Donc vous avez une petite icône qui s'est installée sur votre bureau normalement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le lancer aussi directement depuis l'installeur FBW. Donc je clique dessus deux fois. Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Où là, y a déjà donc les différentes choses que j'avais mis hein, quand j'ai lancé le programme la dernière fois. Vous pouvez les changer. Donc si vous ne voulez pas les changer, vous appuyez tout simplement sur Enter. Si vous voulez les changer, vous entrez Y et Enter. Et là, il vous redemande du coup la configuration. Alors ici, le Max Active IFR Aircraft,
Ça, c'est les plans, donc le vol de ligne, hein, donc les airliners, les trucs comme ça. Donc là, moi, je vous conseille, je dirais, entre 60 et 70 ou 70. Hein. Si vous mettez 100, bah, vous aurez le full, mais vous risquez d'avoir des petits problèmes de performance. Tout dépend de l'aéroport. Si c'est un petit aéroport, vous n'aurez peut-être pas trop de soucis, mais si c'est un gros aéroport, là, ça va commencer à être un peu le bordel. Donc on va mettre, mettons 70 hein, ou 70. Voilà. Après, Max, Active VFR Aircraft, donc ça, c'est plutôt le trafic GA. Là, c'est encore en bêta, hein, donc il y a encore des petits bugs, c'est pas super, c'est pas parfait. Donc vous pouvez l'activer si vous voulez avoir des avions GA aussi. Moi, personnellement, là, je vais pas le faire. Allez, on va peut-être mettre, mettons 10 pour le plaisir. Après, vous pouvez mettre Additional Parked Aircraft, donc ça, ce sera des avions statiques qui vont s'ajouter aussi à la scène. Et l'avantage, c'est que si vous voulez, par exemple, ne pas avoir de trafic live, mais vous voulez juste avoir des avions dans votre aéroport qui correspondent à l'aéroport, vous pouvez aussi donc désactiver le trafic IFR et mettre ici un 10, par exemple. Donc ça va vous remplir l'aéroport, mais avec des avions qui sont réalistes dans cet aéroport. Donc ça, c'est plutôt cool aussi si vous voulez pas vous embêter avec un trafic live, mais vous voulez juste avoir des avions réalistes dans l'aéroport. Voilà. Donc là, je vais tout simplement... Allez, on va peut-être mettre 10. Non, 10, c'est le max. Allez, mettons 3. Voilà. Après ici, Blocked Aircraft Removal Time, donc ça c'est si un avion est bloqué quelque part, hein, parce qu'il faut aussi se dire que ça ne dépend pas que de ce programme, comment le trafic fonctionne, ça dépend bien sûr des limitations de MSFS, mais aussi de la scène que vous avez. Donc si le développeur de la scène n'a pas fait les choses correctement, n'a pas mis les bons codes parking, n'a pas fait bien ses taxiways, des choses comme ça, ce qui est le cas de quand même pas mal d'aéroports, je dois dire malheureusement même des choses payantes, vous aurez des problèmes. Donc il faut essayer de trouver des aéroports où ça fonctionne bien ou commencer à aller modifier les fichiers d'aéroports. Mais alors là, on ne va pas commencer à parler de ça maintenant parce que j'ai essayé l'autre jour, je le connaissais bien à l'époque sur les anciennes versions de Flight Simulator avec les fichiers AFCAD et tout ça. Mais là, on n'y est pas encore avec MSFS. Il y a un programme qui est en bêta, hein, le ADE, pour ceux qui connaissent, mais on ne va pas rentrer dans le sujet maintenant. Ce n'est pas le but. Mais que vous compreniez aussi que si ça ne fonctionne pas bien sur votre aéroport, ce n'est pas que à cause de ce programme, mais c'est aussi probablement à cause de la scène et des limitations de MSFS. Voilà. Donc ici, ça, moi je vais mettre 60. Comme ça, au bout de 60 secondes, si l'avion est débloqué, il disparaîtra. Donc voilà, ici, vous avez le Happy Key. Hein, c'est ce que je vous montrais au début de la vidéo. Vous copiez votre clé dans Flight Plan Database et vous le collez là. Alors là, je ne vais pas le faire pour vous montrer aussi que ça fonctionne sans. Hein, ça fonctionne même très bien sans. Mais si par exemple, vous avez l'impression qu'il manque des choses ou il manque des avions sur votre aéroport, vous pouvez essayer de l'ajouter là. Et ça peut vous ajouter aussi des plans de vol réalistes si jamais. Là, je ne vais pas le faire pour qu'on voit aussi comment ça fonctionne sans si jamais. Voilà, mais vous le collerez là et vous appuyez sur Enter. Et là, ça va commencer à injecter le trafic. Alors, il faut toujours gérer entre 15 et 20 secondes à peu près, hein, les 15 et 30 secondes pour être large, pour qu'on commence à voir des choses apparaître. Et après, il faudra aussi une petite latence jusqu'à que les avions commencent à bouger, à demander les clearances et les autorisations donc à la tour, parce que les avions communiquent avec l'ATC de MSFS. Donc ça, c'est cool, hein, vous avez vraiment une vie aussi à ce niveau-là, et c'est vraiment cool. Donc là, on voit que ça commence à charger. Il y a pas mal de choses qui se passent. On va juste un peu tirer la fenêtre pour avoir une vue plus globale où vous voyez justement tous les détails. Donc l'heure, le numéro du vol, le type d'avion, l'immatriculation de l'avion, hein, sa route, son ID aussi. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire en gros. Hein, donc en route avec l'altitude. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, hein, même à des distances assez grandes. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Et aussi pour dire, contrairement à ce que... Avec AIG, j'avais pas mal de problèmes d'avions qui rasaient le sol. Voilà. Donc je ne dis pas que celui-là est parfait, hein, de loin pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins ce genre de problème où on a des avions qui passent à rase-motte au-dessus de la piste ou des choses comme ça. Alors je ne l'ai pas non plus essayé pendant des semaines. Hein, donc je pense qu'il faut aussi un peu de temps pour voir. Mais vraiment, cet avantage de pouvoir l'installer super facilement, de lancer les choses, ça fonctionne. En tout cas, je n'ai pas eu trop de problèmes pour le moment. Ça vaut la peine d'essayer. Et en plus, c'est gratuit. Donc, vous ne risquez absolument rien. Voilà. Donc, on va juste cacher cette fenêtre. Je crois que j'ai tout dit sur cette fenêtre. Oui, on va casser cette fenêtre. Puis, on va commencer un peu à aller voir les avions. Vous verrez que c'est plutôt pas mal. Alors, donc là, on a... Bon, alors là, je vois que les portes ne sont pas super bien configurées à Zurich. Hein. Normalement, les vols internationaux comme ça devrait être au terminal E de l'autre côté, mais c'est pas très grave. Mais vous voyez qu'aussi les avions donc, ont le service, hein,
Il y a les petits véhicules qui tournent autour. Alors, ça reste le service de base MSFS qui n'est vraiment pas top. On voit que. Bon, après, il y a aussi la configuration des avions. Mais je trouve que c'est pas trop mal fait, je dois dire. Après, vous aurez aussi le pushback donc, qui va pousser l'avion. Ça aussi, c'est important de savoir. Moi, j'avais GSX, donc j'avais totalement désactivé ces choses. Mais si vous voulez que les avions puissent donc, se faire repousser, vous aurez quand même besoin d'activer au moins quelques pourcents de cette option-là pour qu'ils puissent avoir accès au pushback, justement, sinon ils risquent de rester bloqués. Donc ça, c'est aussi important à savoir. Ensuite, il y a le son des avions. Donc ça, c'est vraiment c'est un son qui est vraiment super bien foutu, je dois dire. Et il me semble, alors d'après mes souvenirs, que c'est nettement mieux aussi que leurs concurrents à ce niveau-là. Après, ben, vous avez aussi, ben, je vous disais, les limitations de MSFS. Hein. Donc là, au niveau des limitations de MSFS, il y a pas mal de petites choses qu'on connaît, hein, qui sont connues. Donc par exemple, les avions qui vont, quand ils sont arrêtés, si par exemple vous avez une queue d'avions qui sont arrêtés pour aller à la piste, ils vont commencer à tourner sur eux-mêmes. Donc ça, c'est aussi un des problèmes de MSFS. Là, ils ne peuvent rien faire, malheureusement. Il y a aussi le mauvais assignement des différentes pistes. Vous avez donc des incursions sur les différentes pistes, des avions qui passent devant les autres. Enfin, c'est un peu, c'est dommage, malheureusement. Je sais que Azobo est en train de travailler pour améliorer ça. Je ne sais pas exactement quand ça va changer, mais ils sont en courant, en tout cas, parce qu'il y a aussi beaucoup de développeurs d'add-on hein, qui sont en train de travailler sur des trucs pour le trafic. Et malheureusement, pour le moment, c'est encore un peu compliqué. Donc, c'est pas parfait, ça, c'est sûr. Vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc aussi les petits labels, hein, les petites étiquettes au-dessus des avions ne sont pas supportées. Donc voilà, moi personnellement, ça ne pose aucun souci parce que j'aime pas ces étiquettes. D'avoir des étiquettes partout dans le ciel ou dans l'aéroport, c'est pas vraiment joli et pas réaliste du tout, surtout, voilà. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt bien foutu. Alors c'est clair, hein, ça touche un peu là, on a quand même un aéroport où il y a pas mal d'avions, donc vous voyez les performances sont un peu affectées, mais c'est pas catastrophique, là on est surtout quand on bouge, hein, c'est toujours la même chose, mais sinon là je suis quand même à 60 fps constant, c'est juste quand je bouge un peu comme ça, non même pas, ça bouge pas, c'est quand j'avance du coup, c'est quand ça charge un peu les véhicules, hein. Donc là je suis à 58 fps, 59, alors voilà, hein, j'ai bloqué aussi les fps à 60. Je ne sais pas ce que ça donnerait si je les débloquais, mais en tout cas, c'est pas catastrophique comme impact performance, je dirais. Mais après, on le sent un petit peu, il y a des petites saccades au niveau du chargement, mais ça, c'est comme ça. Voilà, écoutez les amis, je crois qu'on a à peu près tout dit. En termes de latence, hein, je vous le disais, il faut attendre un petit moment. Donc là, les avions ont apparu maintenant. Si je vais peut-être me mettre dans le cockpit, je vais juste allumer la radio ici pour qu'on ait accès à la radio. Donc on va mettre la clearance et il y a des avions qui vont commencer à communiquer. Alors il faut toujours attendre un petit moment pour que ça commence à bouger, que ça commence à parler. Je dirais, ça dépend un peu, il me semble que c'était en général entre 5 et 10 minutes et puis ça commençait un peu à bouger. Mais ça peut un peu dépendre après de l'aéroport peut-être, ou du nombre d'avions et tout ça. Voilà, donc on va juste attendre que ça commence à discuter un peu et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, hein, vous voyez, ça commence à discuter. Je vais juste un peu baisser le son de l'ATC, hein, qu'on s'entende. Donc voilà, ça commence, hein, mais une fois que ça commence, ça commence. Alors vous voyez, là, ça n'arrête plus, hein, du coup. On va juste ouvrir la fenêtre ATC. Vous voyez, il y a tous les avions qui commencent à demander leur clearance. Donc on en avait un sur Dublin, on en avait un là sur Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc ça commence à donner, hein, vous voyez. Ça n'arrête plus même. Donc c'est plutôt cool, vraiment, ça donne de la vie. Hein. Alors ça, on avait déjà avec AIG, mais qui était un petit peu, enfin pour ma part, instable, je trouve, un peu compliqué. Là, c'est vraiment ultra facile, ça fonctionne très bien. Alors il y a des petits soucis, hein, comme je vous le disais avant, avec les différentes limitations de MSFS.
Mais il y a des avantages de facilité. Au niveau vraiment des sons des avions, je vous dis, c'est super sympa. Et après, il y a aussi le côté VATSIM. Donc, vous pouvez utiliser donc, ces avions, ces modèles d'avions quand vous volez sur VATSIM. Alors, il y a juste une petite manipulation à faire. Vous devez aller dans le dossier donc, Community hein, où ça a été installé, dans FS Traffic. Alors, attendez. FSLTL Traffic Base. Et puis, vous copiez le fichier FSLTL. rules.vmr et vous le copiez ensuite dans votre fichier vpilote, hein, donc le vpilote que vous utilisez pour VATSIM. Et après, vous avez juste à matcher, donc à importer ce fichier depuis vpilote. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec des banques de données d'avions et vous pouvez avoir des avions réalistes. Après, pour autant que la personne hein, ait bien fait son match quand il a configuré son vol, bien sûr. Pour essayer de trouver la version la plus adaptée. Voilà les amis, donc vous entendez vraiment, ça n'arrête plus. Ça cause. C'est limite difficile à placer quelque chose, je pense, là-dedans. Et à ce moment-là, maintenant, donc c'est tous les avions qui demandent les clearances. Hein, ça va commencer à. On va voir les avions qui vont commencer à se faire repousser. Il y a des avions qui seront en approche hein, aussi. Donc là, il disait piste 16, du coup, donc ça va commencer à arriver par ce côté aussi. Hein. Vous allez voir les petites lampes des avions qui s'approchent. Et après, donc si vous avez beaucoup de trafic, donc là, bah, il y aura probablement des chances de go around. Hein. Donc là, malheureusement, ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà dans FSX, qu'on a déjà un peu partout. Quand vous avez vraiment beaucoup de trafic, ben, du coup, il y a de fortes chances que des avions partent. Et après, une fois qu'il a fait un go around, ça, c'est un peu compliqué, des fois, pour qu'ils reviennent vraiment se poser. Donc il a des fois plutôt tendance à disparaître l'avion qu'à revenir essayer d'atterrir. Mais ça de nouveau c'est une imitation de MSFS qui n'est pas encore vraiment prêt à accepter un trafic je dirais bien réaliste. Voilà, donc vous entendez, hein, ça parle. Alors on va peut-être juste attendre que ça commence un peu à bouger, comme ça je vous montrerai aussi, je vous ferai entendre le son des avions. Vous verrez que c'est plutôt sympa. Donc les amis, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, alors là on est en bout de piste 16 du coup et on verra un peu ce que ça donne au niveau des sons, vous les entendez déjà là, hein. Donc c'est vraiment assez immersif je trouve. Alors pendant que j'attendais un peu que ça bouge, que les avions arrivent en bout de piste, malheureusement j'ai vu un avion faire du rasmote, je vous disais avant qu'il y en avait, j'en avais pas encore vu, ben voilà j'en ai déjà vu. Hein. Donc malheureusement voilà, ça reste les limitations du simu pour le moment, mais j'espère que ça va s'améliorer assez rapidement pour qu'on puisse avoir vraiment un trafic IA des plus réalistes si possible. Voilà, alors écoutez, je vous laisse un peu entendre ces différents sons et on se retrouve juste après. Voilà un peu ce que ça donne, hein. Alors c'est pas encore parfait, ça pourrait être un peu plus grave encore comme son, mais je trouve que c'est déjà pas mal, c'est déjà une belle amélioration. Après, malheureusement, je vois qu'en bout de piste, là, il y a des avions qui viennent atterrir en face, en fait. Donc ça, c'est de nouveau hein, ces problèmes de limitation les pistes sont mal assignées, entre guillemets. Donc là, il y a des avions qui viennent atterrir en face, alors que ceux-là décollent depuis là. Donc, alors est-ce que ça vient aussi du fait que j'ai changé la météo ? Ça c'est aussi possible, hein. Alors, je ne dis pas que c'est complètement la faute de MSFS, mais quand même, voilà, donc on voit qu'il y a des petits soucis. Alors après des fois il faut peut-être laisser un peu le simu tourner pendant un petit moment, que les choses se mettent en place,
les avions démarrent et tout ça, et que les pistes soient assignées correctement, et si on a changé la météo peut-être, ça c'est aussi possible. Peut-être que certains avions ont reçu leur clearance pour l'atterrissage avant que je change la météo, puis ils n'ont pas changé entre deux, je ne sais pas. Enfin voilà, bref. Vous voyez un peu ce que ça donne, hein, c'est plutôt sympa. Je dois dire que c'est cool, après ben, il faut laisser un peu ouvert encore à certains bugs malheureusement. Mais c'est la vie, les amis. Nous, quand on est flight, voilà, vous voyez un avion qui fait un rasmot là. Hop. Salut. On se dirait plutôt un show aérien que dans un aéroport en fait. Ils font des petites démos là, un peu de display. Enfin bref. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur le Discord si vous avez envie de discuter aussi avec des fans de Simu, hein, que ce soit d'autres Simu aussi, hein, c'est pas que Simu de vol. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Merci les gars, bye bye, Boomer out.